comme vous en avez peut-être l'habitude maintenant, je vous invite à choisir un endroit calme, un endroit tranquille pour vous poser. Peut-être un fauteuil confortable ou votre canapé, ou encore votre lit, même si ça invite souvent à l'endormissement, ce qui n'est pas l'objectif de cette séance. Installez-vous dans cet endroit calme, tranquille, sur le support qui vous convient. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant cette séance. Coupez la sonnerie de votre téléphone. Équipez-vous d'un plaid pour ne pas avoir froid. Vous pouvez même tamiser un peu la lumière. Faites vraiment en sorte que tout soit rassemblé pour que vous puissiez passer un moment vraiment totalement agréable. Et lorsque ça sera fait, que vous serez installé confortablement, je vous invite à fermer les yeux, à laisser les paupières s'abaisser à leur rythme pour gagner en intimité, en intériorité, et profitez vraiment d'un moment rien qu'à vous aujourd'hui. Parce que si vous écoutez cette séance aujourd'hui, c'est probablement qu'en ce moment vous ressentez de l'inconfort, ce que l'on appelle souvent un état de stress, d'anxiété. Et ce stress, cette anxiété, sont peut-être là depuis un moment déjà, peut-être même depuis longtemps, à tel point que certains symptômes se sont manifestés, des pensées négatives qui reviennent sans cesse, des ruminations, des émotions qui prennent trop de place, jusqu'à provoquer parfois des palpitations, une sensation d'oppression, une angoisse qui monte comme ça, sans raison vraiment consciente, peut-être même des tensions musculaires, des gènes corporels, ou encore que cela génère chez vous des comportements inappropriés, ou en tout cas des comportements que vous ne voulez plus. Et si vous ressentez ces manifestations en ce moment, c'est probablement qu'une partie de vous a besoin d'être écoutée aujourd'hui. Écoutée et apaisée. Cette partie de nous, certains l'appellent l'enfant intérieur. C'est cette partie de nous qui contient nos secrets, des éléments de notre passé, des souvenirs que nous avons peut-être oubliés ou enfouis inconsciemment ou consciemment. Cette partie de nous qui contient aussi bon nombre de blessures, des blessures qui, même si elles ont eu lieu dans le passé, n'ont peut-être pas cicatrisé. Alors, afin de vous libérer de votre stress, de votre anxiété, de vos tensions, de vos blessures,
je vous propose d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, de le découvrir et de vous relier à lui. Votre enfant intérieur a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aller à sa rencontre pour communiquer avec lui, l'écouter, le rassurer, le guérir et l'aimer. Alors, pour le moment, je vous invite à vous poser. Déposez-vous là où vous êtes. Et ensemble, on va ralentir le rythme. Et commencez déjà par respirer. Reconnectez-vous à votre respiration. Et alors que les paupières sont fermées, vous respirez. Vous vous reconnectez à votre respiration. Et si c'est possible pour vous, je vous invite à respirer de façon très consciente, très consciencieuse même. En inspirant par le nez pendant 3 secondes. Puis vous gardez cet air pendant 3 secondes et vous soufflez par la bouche pendant 6 secondes. De sorte que, arrivé à 6 secondes, vous ayez soufflé tout l'air que vous avez inspiré. Alors allez-y, installez tranquillement ce processus respiratoire. Vous inspirez en 3 secondes, en sentant que c'est d'abord votre abdomen qui se gonfle, puis le thorax jusqu'aux clavicules. Puis vous gardez cet air pendant 3 secondes pour que cet oxygène ait le temps d'agir dans le corps. Puis vous soufflez par la bouche en 6 secondes. Vous videz tout l'oxygène et vous recommencez sans forcer. Juste prendre plaisir à laisser entrer l'air dans votre abdomen, vos poumons, le laisser s'installer quelques instants et à souffler tranquillement par la bouche, à relâcher. Et c'est un peu comme si vous vous rinciez de l'intérieur. Alors continuez à respirer comme ça, tranquillement, en comptant mentalement. J'inspire pendant 3 secondes. Je garde pendant 3 secondes et je souffle, je libère pendant 6 secondes. C'est une respiration bien connue, très efficace pour se détendre, se relaxer, qu'on appelle tout simplement la respiration en 3, 3, 6. Alors laissez ce processus s'installer en y mettant un peu d'ampleur, de circularité, de mouvement. Et sentir, ressentir votre corps, vos muscles, se détacher de toutes les tensions,
Sentir votre souffle descendre jusqu'à dans votre ventre et suivre tranquillement le rythme de la respiration. Votre ventre qui se soulève sur les inspires et qui s'abaisse lorsque vous soufflez. Et peut-être aussi pouvoir porter votre attention sur la position du corps, la position agréable du corps, posé, déposé. Appréciez cette position, tout en sachant bien sûr que pendant toute la durée de ce moment, vous êtes libre, libre de bouger, de repositionner le corps pour encore plus de confort. Tout comme vous êtes libre d'écouter attentivement ou non ma voix. Et pour aller vers davantage de détente, peut-être même que vous pouvez imaginer une vague de bien-être, une vague douce qui vient vous envelopper et qui commence peut-être par la tête. Ce bien-être, cette détente qui s'installe dans le crâne, les muscles du visage, et simplement sentir cette détente, relâcher tous les petits muscles, toutes les tensions, et vous commencez à vous sentir vraiment bien, calme, détendu. Et vous pouvez emmener ce bien-être jusque dans la nuque et dans la gorge et tout le long des épaules. Et alors que vous pouvez reprendre une respiration normale, naturelle. Continuez d'inspirer profondément, avec fluidité, et d'expirer de la même manière. Vous pouvez relâcher les épaules et laisser le stress, les soucis, les frustrations, les inconforts se dissiper, s'effacer progressivement. Juste bien, calme, de plus en plus détendu, de plus en plus et de mieux en mieux, et peut-être même de mieux en plus ou de plus en mieux. Et c'est un peu comme si le temps s'écoulait différemment, ou simplement savoir que le passé n'est plus là, et que le futur n'existe pas, pas encore. Et c'est simplement de placer votre attention dans ce moment qui est le vôtre, le moment présent.
Et maintenant, le bien-être, la relaxation, la détente s'installe dans tout le dos, le long de la colonne vertébrale, à l'arrière des côtes, dans le bassin, et vous appréciez de sentir le corps lourd, agréablement lourd, dans toute cette détente. Et sentir, ressentir aussi qu'à l'avant du corps, toutes les tensions se relâchent dans la poitrine, le long des côtes, et sentir le cœur battre parfaitement régulier, des battements calmes, tranquilles, puissants et réguliers, diffusant la vie. Et c'est maintenant tout le haut du corps qui est relâché, détendu, parfaitement apaisé, tranquille. Et cette vague de détente, de bien-être, continue de descendre tout doucement à l'intérieur de vous, jusque sur les jambes, en commençant par les cuisses, et toutes les tensions se relâchent, les cuisses se détendent et puis les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout de leurs orteils, et les deux jambes sont détendues maintenant. Totalement, avec cette étrange sensation de lourdeur, de pesanteur agréable, ou peut-être de légèreté douce, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Et peut-être que vous ne savez pas non plus. Parce que tout se mélange, tout se confond agréablement entre le haut et le bas, entre la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. C'est un peu comme si vous étiez un peu ici et ailleurs, en même temps, peut-être plus ailleurs qu'ici, ou inversement. D'ailleurs, quand le ailleurs est plus ici que le ailleurs, est-ce que le ailleurs ne devient pas plus le ici que le ailleurs? Je ne sais pas. Et peut-être que vous ne savez pas, vous non plus. Ça n'a pas d'importance. Juste,
pouvoir laisser votre esprit flotter, flotter très confortablement, un peu comme dans un rêve dans lequel l'esprit voyage. Laissez-le flotter, peut-être jusqu'à un endroit agréable, un endroit où l'on peut ressentir des sensations de bien-être, des sentiments de joie, de sécurité, de sérénité, de calme. Laissez venir les images de cet endroit agréable, merveilleux. Laissez votre inconscient vous emmener dans ce lieu agréable, apaisant. Et laissez-vous découvrir les paysages qui existent là, à l'intérieur de vous-même. Et je ne sais pas à quoi cela peut ressembler. Ce que je sais, c'est que tout y est beau, harmonieux. Les formes, les couleurs, les mouvements. Et peut-être qu'il y a aussi des sons agréables, harmonieux, ou des odeurs, des parfums, des fragrances, ou des choses à toucher, à effleurer comme pour en percevoir la texture, ou la douce chaleur, ou la douce fraîcheur. Alors, je vous invite à vous installer dans cet endroit, dans votre endroit. Installez-vous en toute sécurité. Posez-vous, déposez-vous pour vous reposer, vous ressourcer et pour que vous puissiez pleinement profiter de ce moment. Je vais garder le silence quelques instants, une minute sur le cadran d'une montre. Et lorsque je reparlerai de nouveau, vous serez encore plus détendu, encore plus relaxé, apaisé. Une minute et je vous retrouve tout de suite après.
Très bien. Encore plus détendu, encore plus apaisé. Alors, maintenant, je vous invite à vous remettre en mouvement. Et alors que vous vous remettez en mouvement dans votre endroit, vous apercevez un chemin qui part vers le lointain. Et vous allez suivre ce chemin, tranquillement, pas après pas, à votre rythme. Et au bout de ce chemin, il y a une porte. Imaginez simplement une porte, là, juste devant vous. Et vous savez, vous ressentez même que cette porte mène à votre enfant intérieur, blessé. Alors, vous ouvrez la porte et vous découvrez un paysage vraiment différent de votre endroit de tout à l'heure. Comme s'il s'agissait d'une autre dimension. Peut-être que l'endroit n'est pas agréable, mais détendez-vous, rassurez-vous, c'est normal, puisque votre enfant intérieur est encore blessé. Et c'est dans cet endroit que vous l'apercevez. Votre enfant intérieur. Il ne ressemble à aucun autre enfant. C'est bien votre enfant intérieur. Peu importe son âge. Alors, avant de vous approcher, prenez le temps de l'observer. Prenez le temps d'observer comment il est, comment il se comporte. Semble-t-il affamé? Est-il un peu sale? Semble-t-il malade? Est-il apeuré? Ou en colère, ou peut-être heureux de vous retrouver. Quelle que soit son apparence, quel que soit son comportement, vous acceptez cet enfant comme il est. Et vous avancez doucement vers cet enfant, doucement. Et vous pouvez lui parler, doucement, calmement. Lui dire que vous êtes heureux ou heureuse de l'avoir trouvé et que maintenant, il ne sera plus jamais seul, que vous êtes là maintenant, que vous êtes là pour le soutenir, pour l'écouter, échanger, pour lui apporter toute votre attention, toute l'attention de l'adulte que vous êtes maintenant. Alors, maintenant, prenez cet enfant dans vos bras
et serrez-le tendrement. Continuez de le calmer, de l'apaiser, de le rassurer, en lui apportant tout l'amour nécessaire avec vos bras qui l'enlacent. Et vous comprenez parfaitement ce qu'il dit, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Et vous pouvez même maintenant identifier ce qui lui manque. Et alors que vous comprenez ce qui lui manque, ce dont il a besoin, vous prenez cet enfant par la main et vous allez quitter cet endroit pour vous rendre tous les deux dans un endroit plus agréable, plus joyeux, plus lumineux. Peut-être votre endroit de tout à l'heure, ou mieux encore, vous allez l'emmener au pays de l'enfant. Alors, vous passez la porte de tout à l'heure, ou peut-être une autre porte, et peu importe. Et vous vous retrouvez au pays de l'enfant. Cet endroit magnifique et merveilleux, cet endroit baigné de lumière, de joie de vivre, d'insouciance. Un endroit où tout est réuni pour que votre enfant intérieur puisse trouver ce dont il a besoin pour être heureux. Des jeux de toutes sortes, des toboggans, des balançoires, des constructions à escalader, des ballons. Et bien sûr, dans cet endroit, il y a plein d'autres enfants qui jouent, qui rient, et aussi des adultes, probablement des parents qui regardent les enfants d'un air amusé et attendri. Alors, vous lâchez la main de votre enfant intérieur. Et vous le voyez se diriger vers les autres enfants. Il est peut-être intimidé au début, mais très vite, il s'intègre aux autres enfants. Regardez-le. Peut-être qu'il retrouve des amis. Peut-être qu'il se fait de nouveaux amis. Regardez-le. Regardez-le sourire, bouger, sauter, courir. Parfois, il préfère jouer seul, comme pour reprendre un peu son souffle. Et à d'autres moments, il rejoint avec envie et plaisir les autres enfants. Regardez comme il se transforme. Comme il se transforme en enfant joyeux, à la fois serein et dynamique, sain. Écoutez-le. Écoutez-le manifester sa joie, son bonheur, son énergie saine, sa créativité. Alors, je vais de nouveau rester silencieux un instant, afin de vous permettre de continuer d'observer cette transformation positive, cette guérison.
Et pendant cette minute silencieuse, vous pouvez même vous amuser avec votre enfant intérieur. Je me tais pendant une minute sur le cadran d'une montre et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Alors, maintenant que votre enfant intérieur a trouvé ou retrouvé toute sa joie, son dynamisme, son énergie saine, son insouciance, sa créativité, maintenant que votre enfant intérieur est soigné, guéri, vous allez lui demander de se rapprocher de vous et de venir se placer juste devant vous. Et alors qu'il est là, juste devant vous, un joli sourire sur son visage, à la fois apaisé et joyeux, vous allez imaginer qu'il se transforme maintenant en lumière. Une lumière vive, éclatante, presque éblouissante. Une lumière peut-être d'une couleur particulière, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Ce que je sais, c'est que cette lumière, vous allez la respirer. Maintenant, vous inspirez toute cette lumière pour l'envoyer vers votre plexus solaire. Allez-y, maintenant. Et vous sentez, vous ressentez physiquement la lumière de votre enfant intérieur en vous. Cette sensation intense et agréable qui vous apporte une impression de joie. Un sentiment de légèreté intérieure, de paix, de bien-être, qui part de votre poitrine et qui se diffuse dans tout votre corps. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Et avant de revenir dans le présent, n'oubliez pas, si vous le voulez, de remercier votre inconscient pour tous les bienfaits de cette séance. Alors, je vous invite maintenant à revenir dans le présent, ici et maintenant, à l'endroit où vous êtes, et en prenant tout votre temps, vous pouvez bouger les doigts, les pieds,
pouvez vous étirer. Faites circuler l'énergie dans tout le corps, de sorte à ce que vous puissiez bien ressentir votre enfant intérieur en vous. Voilà. Vous pouvez frotter votre visage avec les mains pour intégrer jusqu'au plus profond de votre être tous les bienfaits de cette séance qui continueront à travailler sur vous pendant tout le temps nécessaire. Alors, vous pouvez à présent ouvrir les yeux sur une vie nouvelle, une vie plus joyeuse, plus lumineuse, plus légère, une vie remplie de plus d'optimisme, de plus d'insouciance et de créativité. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.